Bonjour les amis, c'est Gémico, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve sur Red Dead Redemption 2 Online pour une toute nouvelle astuce. Comment avoir de l'argent illimité grâce à des poissons et en tuant des animaux. Bah allez, c'est parti, je vais vous montrer ça sur la carte. Donc ça se situe juste ici. Donc c'est juste en bas de Saint-Denis. Donc allez, c'est parti, je vais vous montrer. Donc là, vous posez un animal, n'importe lequel. Celui-là que vous avez réussi à chasser. Et là, comme vous voyez, il y a des poissons qui vont venir sur le bord et ils vont mourir tout seuls. Donc faut mettre l'animal à un endroit où il n'y a pas énormément d'eau pour que les poissons, quand ils viennent vers l'animal, eh ben ils meurent. Donc là, je l'ai dépecé. Comme ça, il y a du sang dans l'eau. Ça les attire. Donc là, les poissons, ils commencent à venir. Donc ça, c'est cool. Et il y a des poissons à 2$, donc ça vaut vraiment le coup. Vous faites vite de l'argent. Donc là, vous avez vu, il y a déjà un gros poisson qui est venu et qui est mort. Et deux petits. Donc là, vous voyez le gros tas de poissons. Mais ils vont tous venir là tout de suite. Ah, ils vont tous tomber là. Donc là, je récupère les poissons. Donc ça vaut vraiment le coup. Vous allez faire un maximum de thunes. Donc là, je ramasse le plus de poissons possible. Donc là, je vais aller à Saint-Denis. Donc sur le chemin, vous tuez des animaux. Comme ça, vous faites énormément de peau, de cornes et tout ça. Comme ça, quand vous arrivez au boucher, vous ferez plus d'argent. Donc comme vous voyez, là, j'ai des trucs de grenouilles, de la viande, des plumes. Et j'ai les poissons. Regardez cela. Les 10 poissons, 20$. Ça vaut énormément le coup. Donc là, je vais faire à peu près 32$. Donc c'est quand même pas mal. Donc j'étais à 507. Donc là, je suis à 539. Bah, merci à tous ceux qui regardent ma vidéo. Et abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, bye les amis.